RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simas. Michel Rebonjour. Rebonjour. Isra. Ce matin, vous vous attardez sur l'un des grands classiques de l'été, la crème solaire. Ouais, je sais bien qu'il n'est pas indispensable d'avoir fait Polytechnique pour être capable de se badigeonner de crème solaire, mais je peux vous assurer qu'on a vite fait faire n'importe quoi. Mine de rien, appliquer une crème solaire, c'est tout un savoir-faire. Et surtout, il y a des choses à éviter. Ah bon, lesquelles, par exemple? Alors d'abord, se contenter d'un indice de protection trop faible. On a tous envie de bronzer et de bronzer rapidement, et on a tendance à se dire qu'avec un indice faible, ça ira plus vite, tout en étant protégé. C'est vrai. Contre-sens total, vous risquez un bon coup de soleil qui petit 1 vous fera mal et petit 2 est le meilleur moyen de se préparer à un cancer de la peau si on répète la même erreur tout au long de sa vie. Alors, donc le bon indice, c'est quoi exactement Alors d'abord, je crois qu'il faut partir sur du 30, c'est un minimum et ne pas hésiter à monter jusqu'à 50. Mais attention, toutes les peaux ne se valent pas. Mm -hmm. Une peau noire ou métissée est plus riche en mélanine qu'une peau blanche. Elle est donc naturellement mieux protégée contre le soleil. Mais attention, clair, matou foncé, aucune peau n'est à la abri du vieillissement ou des coups de soleil. La crème solaire, on en met plusieurs fois par jour, mais à quel rythme Alors si vous passez la journée au bord de l'eau, je vous conseille de renouveler l'application toutes les deux heures, et tenez, puisqu'on parle d'application, je vais m'attarder sur ce terme, mmh. il veut bien dire ce qu'il veut dire quand on met de la crème solaire. On s'applique mmh. parce qu'en général, on est tellement pressé de se jeter dans l'eau qu'on bâcle le travail. Alors, si vous ressemblez à une tartine beurrée, vous êtes mal protégé. La crème, il faut l'étaler bien, la faire pénétrer dans la peau et la peau, il faut n'en laisser aucun espace de côté. Je pense notamment aux pieds et à l'espace entre les doigts de pied. Je pense aussi aux lèvres, dont la peau est d'autant plus fragile qu'elle est très fine. D'ailleurs, on parle de muqueuse. Il existe des baumes anti-UV. Ça n'est pas seulement une astuce marketing. C'est un utile qu'il faut toujours avoir à portée de main. Et eh bien dites donc c'est contraignant hein, <laughs> les vacances avec vous. Oui je vous le confirme c'est l'enfer. Ce que je vous conseille de faire surtout si vous avez des enfants c'est de procéder à la séance de badigeonnage 20 minutes avant de sortir. Vous faites ça tranquillement à la maison, mmh. ça laisse à la peau tout le temps qu'il faut pour bien absorber les ingrédients de la crème et vous le dites aux enfants pas de crème. Pas de plage. Et la crème de l'an dernier qu'on retrouve au fond du placard, on peut s'en servir Oui, bien sûr. Alors, une crème périmée, c'est une crème inefficace. Donc, on s'équipe en crèmes neuves. On les stocke à l'abri des fortes températures, à l'ombre, au fond d'un sac. On voit trop de produits solaires traîner des heures durant au soleil et c'est pas bon. Les crèmes n'aiment pas ça. Elles sont comme vous et votre peau. Elles détestent les conditions extrêmes. Mes hommages à madame votre crème solaire et à demain. Mes hommages à la vôtre.